ce qui m'a poussé de doter les radios et les habitants, parce que je vois que cette maladie Covid-19, c'est une maladie qui est très dangereuse. Donc c'est ma manière de contribuer pour lutter contre cette maladie. Oui, ça ne va pas s'arrêter là, parce que Inch'Allah, peut-être d'ici le samedi ou le dimanche, je serai à la radio 7 sur 7 encore. Bon, je lance un appel solennel envers les personnes aussi de bonne volonté, de bonne foi. Toutefois, ensemble, de lutter contre cette maladie, pour faire les gestes comme ça, de donner les kits, si c'est des eaux de Javel, si c'est des bavettes. Chacun n'a qu'à faire un peu, quoi. C'est un sentiment de satisfaction énorme. Nous remercions infiniment le donateur au nom de la direction générale que cette promesse tenue il y a pratiquement 3 jours, cette promesse a été réalisée. C'est une satisfaction grandiose pour nous. Et nous demandons humblement que tous les donateurs de notre pays pour lutter contre cette pandémie fassent comme ce monsieur qui respecte rigoureusement et scrupuleusement ses engagements. C'est pourquoi nous sommes très contents. Le monsieur, il est dans l'esprit. Il est dans l'esprit de la lutte contre le coronavirus. Si tout le monde faisait comme lui, pratiquement d'ici fin mai, la Guinée va dire ouf à cette maladie. Le conseil que je peux donner aux citoyens, c'est de respecter les mesures d'hygiène, de se laver les mains, d'éviter de se salir avec les mains aussi, et les accolades, et de respecter le distance qui a été dit, 1 mètre ou 2 mètres de distance de sécurité entre les gens. Je lance un appel aussi aux autorités pour lutter contre cette maladie, Covid-19.